Salutations YouTube, incroyable, enfin on fait des niveaux d'anti-beurre, ça fait plaisir. Hein. Donc les challenges attendront. Regardez d'un coup là, Bethany elle a fait des trucs d'un coup là. T'as toujours pas débloqué Jacob, peut-être qu'il fallait péter le fion de maman. Alors attention hein, ne prenez pas ça mal, c'est vraiment un truc dans le jeu. Merci Zocasca Darknesi, merci JRM, Well pour les primes. Gros Bezos. Apollyon. On a fait un seul run d'Apollyon, il était incroyable. Apollyon. Allons-y. Apollyon donc qui commence avec le Void. Un objet assez particulier. Le Void donc qui lui permet d'absorber des objets. S'il absorbe un objet Spacebar, eh bien à chaque fois qu'il réutilisera le Void, il utilisera également les objets Spacebar qu'il a avalés au fur et à mesure des runs. S'il avale un objet qui n'est pas un objet Spacebar, eh bien il n'aura pas l'objet, mais il aura deux stats up aléatoires. Deux stats qui seront augmentés. Donc c'est pas mal parce que quand un objet est nul, au moins on peut en faire quelque chose. Ok. Oh. Soy Milk. On a déjà testé le lait d'amande. Hein. Le lait d'amande, c'était incroyable. Le problème, c'est que si on a Soy Milk pour la collection... On va le prendre, hein. Ils sont énervés, hein. Trouvons notre objet d'abord. On garde le cœur bleu pour après le boss, bien sûr, afin d'avoir... Au secours, je suis un con. Oh, de la protection pour le Devil Deal. Oh là là, à l'étage inférieur. Horrible salle. Oh, celle-ci, elle est... Ouf. Ah, c'est le Burning Basement qu'on déteste, ça. Honnêtement, je voulais pas faire ça, mais c'était peut-être le meilleur move. Ah bah oui. Elle... Ah non, c'est pas la batterie, ça. C'est le familier batterie. Oh. Ça, c'est un bon starter. Ok, let's go. Le petit brimstone. Au secours. C'est fort au début, ça s'essouffle après, mais au début, c'est très cool. Probablement prendre cette clé. Ok. Bah oui, on va définitivement prendre cette clé parce que maintenant on peut jouer anti-burst. Et ça, ça fait plaisir. J'aurais pu avaler le cube de viande, mais en vrai, c'est bien. Même s'il est moins fort qu'avant. Hein, parce qu'il tourne trop vite. Donc on peut plus se taper des étages entiers en tapant avec le cube de viande. Enfin, je suis sûr que la secret room était là et donc j'ai pris les dégâts en curse room au début pour rien. J'aurais pu avaler le cœur noir après. Probablement. Ouais, putain, et c'est la déception en plus. Ok, j'ai bien fait de pas prendre ces bombes du coup. Allez, on va down pour. Void le shop. Je peux pas void des objets que j'ai pas achetés. Ça serait trop simple. Thank you.
Attention. Oh là là. Oh, c'est chiant. Mais il passe à... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il passe à travers les... Ah non, mais c'est très dur à lire. Oh là là. Oui, putain, Meat Boy. Oh là là, j'ai déjà perdu. J'ai plus qu'un cœur bleu. Ok. Oh, c'est chiant, ça. C'est chiant, il va me tirer dessus. Ok. Ils font quoi? Ils font chier. Si seulement je volais. Il y a beaucoup de salles hein, dans les étages anti-burst où si tu voles pas, tu pleures. Let's go. Ah mais c'est bien normal ça. Mais c'est les petites merdes là. Bon, j'ai eu un cœur noir grâce à au matchbook, ça c'est cool. J'ai pas trouvé mon objet. Ensuite est-ce qu'on a pas envie de prendre le Devil Deal tout de suite probablement. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Au secours. Ok il fait ça. Ça marche bien de faire le tour, donc on va continuer à faire ça. Et là. Au secours. Et encore. Café une pile, c'est... Speed up, size down. J'ai un speed, peut-être que je dois le prendre. On va d'abord voir ce qui se passe là-bas, de toute façon. C'est Little Delirium, hein, le familier. Guppy's Head, c'est non, je pense. Que c'est un space bar item et faut juste spawner des mouches tous les 6 charges, c'est nul. Saloperie va. J'ai pas pris lui donc je vais le prendre. Speed, c'est fort. On va prendre ça et je pense que j'utilise la pilule. Ok. Bon, j'ai pas trouvé mon item room encore. Donc mon void me servira peut-être là-bas. Attention. Aux ombres, ouais. On t'a vu, petit salopard. $3 bill pour les larmes aléatoires, c'est marrant. Ouais, je pense que je prends $3 bill. Ah mais si je void les deux. Elles sont un peu faites pour Apollyon, c'est ça là. Ah non, j'ai pris que 2 stats up. Putain, rendez-moi mon $3 bill. Et en plus, j'ai pris de la vitesse et j'ai absolument pas pris de dégâts. L'info de chat a frappé. Aïe, 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 aïe. Ah, ou j'ai volé un activable. Peut-être que l'autre objet était un space bar. Y a ce scénario-là aussi. J'y crois moyennement, mais... Quoi qu'on l'aurait vu, non? Attendez, pourquoi j'ai un... Ah, si... Pourquoi j'ai un Headless Baby, là? Ah, c'est Little Delirium, ouais. Qui fait sa vie. Et je pense que non, hein. Je pense que c'est de la merde. Oh non, $3 bill aurait été bien, quoi. Oh, double Brimstone, Delirium, bravo.
Ah, il a changé. Little Monstro. Alors, ce fameux miroir. Bon, une chose est sûre, je vais pas le péter en tout cas. Ditrine, ditrine. Merde, 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 merde. Oh, le mid-boy. Mid-boy qui carry. Voilà, là c'est le problème, c'est que mon DPS c'est uniquement Little Brimstone et ça a commencé à devenir faible. Enfin, il y a Delirium aussi, mais c'est très aléatoire. Oh là là, oh là là. Ah oui, d'accord. Oh, le sale bail. Chiant. Une carte death, hein, faut pas que j'oublie, j'aurais dû utiliser la salle d'avant. Ah putain, sérieux? Mais what? Tech 2. Tech 2, ça me nique une larme et juste j'ai le laser constant. C'est un peu sad. Ensuite, il y a des synergies de fou. Hein. Sinon, je l'avale. Ou je piffe. Oh là, tant de choix. Ah, il y a le Imoton de lit parce que le miroir, c'est ça. Allez, j'ai mangé un de dégâts, un de range. Par contre, si j'ai pas le... Si je moule le Devil Deal et que j'ai pas le Void, c'est un peu bizarre. Ah non, on s'en fout en vrai. On peut avoir un très bon Devil Deal, c'est le meilleur scénario. Oh oui, merde, il se transforme en Bob's Brain des fois. Oh là 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 là. Attention à ça, hein. Si Bob's Brain a été très très bon hein, au run d'avant. Ah, du coup j'aurais pas Void, bon c'est pas... Bah, si je sens que c'est la merde, je sais ce que j'ai à faire. Les mines. Curse of the Blind, on adore. Au bout d'un moment, je vais pas pouvoir juste Void pour espérer avoir un build. Hein. Pas assez fort. Hein. Le Brimstone... Oh là là, je suis une merde. Quoi? Mais quoi? Oh, j'ai tout pris. Allez hop, Devil Deal dans le fion. Oh non, ça c'était terrible. Ok, cool. Oh non... Oh là, c'est horrible ce qui vient de se passer. C'est la fin. C'est la fin du game. Oh, elle était même pas si dangereuse que ça. J'aurais dû garder Death.
difficile de faire autrement. Je suis con. Ouais. Eh oui, forcément, eux, c'est pas des vrais ennemis. Je suis dans la merde. Que des grosses salles. De switch, le boss room. Putain, 18% de chance, un cœur. Oh, c'est naze. Je pourrais piffer la carte. Je peux aussi trouver 3 golds et espérer un miracle. C'est un trou ça. Ah, ça peut pas être là alors. Ça peut être à gauche. Ça peut être en bas. Ok. Allez. Efface ton ennemi. Ça peut être fort ça. Hein. Même c'est que c'est un space bar item, donc le OZEF est absolu. Au moins c'est les collections. Prochain étage, hein, vu que je suis dans une logique de tout, tout clean là. Oh, au secours. Rip. Seulement j'avais une carte de TP. Ok, j'ai The Void. Peut-être faire le boss maintenant. Ou je prends la challenge. Oh putain, elle explosait en diagonale. C'est pas possible d'avoir une démoule pareille. Je me demandais ce que c'était. C'était une mouche comme les blobs noirs. Oh, il est en petite mouche rigolote. Trop mignon. Merde. Ça pue.
Nice. Ok. Ouf. Alright. On respire, on est là. Un moule de ouf. Allez, au moins essayer avant d'avoir de la moule. C'est ça, tout le sel du jeu. C'est que si t'essayes pas d'arnaquer le jeu à tout prix, t'auras jamais de moule. Ou rarement. Mais là, c'est vrai que c'était une très belle salle pour nous. Ok. Ça, par contre, c'était dur à esquiver. La salle est vraiment dégueulasse pour ce boss-là. Ok, elle joue comme une merde. Aligne-toi ! Oh putain, il charge lentement. Je m'habitue pas à son rythme de charge. Ok, hop. Merci, il m'a fait deux utilisations du bébé sec. Quel goat. Il va vomir au bout d'un moment. Putain, je peux... Voilà. Putain, mais qui m'a tué là ? Oh, je vois rien. Je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête, je t'en supplie. Je t'en supplie, il faut que ça s'arrête, ça va s'arrêter. C'est pas vrai. Ok. Quelle couche. Au moins ça fera de l'effet de mort quand je voiderai, mais bon, vu que j'ai voidé rarement dans une salle. Est-ce qu'il faut que je continue à farmer? J'en sais rien. Les spoils, c'est Bandef, yes. Vu qu'on est dans la découverte, on peut, mais... c'est discutable de continuer à farmer alors que j'ai trouvé la secrète et la super secrète, mais bon. Au secours. Void la gomme. Je pourrais, mais... Je peux bien vous avouer que le OZEF est un peu intégral. Mais je pourrais. Est-ce que je fais la Curse Room? Ouais, c'est quand même chiant de perdre un cœur noir, quoi. Ah! Mais j'ai plus de thunes. Oh, l'horreur. L'horreur de ce mob. Bob's Brain! Little Delirium qui m'enlève un. Ok. De la thune ou... Non, un objet. Hein. Parce que j'ai la salle remplie de cœurs rouges en bas à droite. Ensuite, la thune, c'était pas inintéressant. Hein. Oui, on va se faire chier. Avec un peu de chance, on pourra faire les deux si le démon me troll pas trop. Mais bon. C'est plutôt dans son habitude de me rendre la vie pourrie. C'était pas en bas. Enfin, dégoûter le Bob's Brain, quoi. Parce que du coup, j'ai vraiment pas envie de faire la Curse Room avec aussi peu de cœur bleu. Quelle ordure! Quelle ordure! Je l'avais pas eu, ça encore. On pourrait le garder. Ça me rend immunisé au pic. J'ai du corps au pied.
J'ai voulu le tester tout de suite, puis je me suis dit, ouais, mais si c'est pas ça, je vais avoir l'air d'un con. Mais normalement, c'est ça. Non, c'est Rage Grose, le class. C'est long. Ah oui, c'est long, c'est long. C'est un jeu de survie, hein, surtout en hard, donc on est hélas obligé de faire ça. Mon build est en train de devenir beaucoup, beaucoup trop faible. Je t'en supplie, coopère. Ok. Allez, on y retourne. On fera peut-être la Curse Room alors. On serait devenu tellement riche si on avait investi avec cœur rouge sur la machine de don du sang. Qui peut me donner un HP up en plus, hein. Il va vraiment me saigner jusqu'à l'os, hein. C'est vraiment une ordure. Bon, il m'aura donné un Hierophant, donc c'est pas totalement perdu, mais... Si j'avais su, je l'aurais avalé. Mais je ne pouvais pas le savoir. Et là, vous vous dites, bon, c'est fini. Il va arrêter de nous faire chier. Oh là là, attention. Molo, Molo Kaira. Ah, j'aurais dû claquer mon demi-cœur avant de... Maintenant, le pognon. Et même dans un scénario idéal, le HP up. Ça se mérite, hein, ça se mérite. Bon, c'est vrai que c'est là où ça pourrait avoir du sens de monter les vidéos Isaac et de fast-forward ces phases-là. Mais n'est-ce pas là tout le sel de la chaîne ? Donc elle peut péter et me filer un HP up ou, hélas, le IV bag. Au moins ça va accélérer le processus. Vu que maintenant on l'a avec nous. Par contre, il est hors de question de void ça, bien sûr. Et si on void ça, bah, on se fera à bobo quand on utilisera void. Accélérer le processus. Ah non, il reste un cœur. Je suis bien foutu de votre gueule. Hein. Il y avait des cœurs à la salle de boss. Avec ça, ok. Insane. La pilule, hein. C'est peut-être un health up ou un full health. Non, on va pas faire ça. Ok. Mitiger ce Apollyon. Est-ce que je garde le corps au pied ou est-ce que je prends matchstick pour dropper des bombes? Vu comment je suis nul avec les pics, c'est presque tentant de prendre le... Superbe. Allez, on va faire ça. Ah mais attendez. Ah oui, mais non. Je suis immunisé aux pics par terre, mais pas la Curse Room. Est-ce que je la prends vraiment? C'est un peu YOLO hein, quand même. Oh là là. The Pact, The Mark, Intagram. Ceremonial Robe. C'est pas mal non plus. Ok, Devil Deal garantie maintenant à chaque étage.
Je l'avais eu ici, hein. Oui, c'était... quelle merde, je sais plus. Ah non, c'était... oui. Les cœurs noirs et machin. Ok. Allons-y. Ah oui, le Necronomicon de ces morts que j'ai avalé. Ouais, c'était très décevant. Curse of the Maze. On s'éclate. Oh là 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 là. Oh, le build est nul. On est faible. Attention. Ah mais c'est eux qui vont me pop ces merdes là à chaque fois. Oh, oh là là. Trois cœurs seulement, hein. Tant que je redrop pas du cœur rouge. The World. Ok. Ah, cool, l'accès à la Curse Room. Oh oui, merci, le Meat Boy 4 version Delirium. Tapeworm, c'est quoi? C'est de la shot speed? C'est de la range. Ok. C'est peut-être pas mal. C'est Scorpion ça, c'est pas Virgo. Scorpion c'est 100% de les larmes sont empoisonnées. Je pense que c'est pas mal. Il y a un mini boss là à gauche. On peut avoir un objet spacebar, enfin un objet tout court d'ailleurs. Merci le switch. Ok, c'est gratuit. Shop, oui, shop. J'ai envie de tester. Je crois que ça va faire une explosion en croix, hein, c'est ça? Ah non, là. Il faut l'acheter. Faut bien apprendre, hein. Il jette en diagonale? Ah, vite fait. Oui, c'est vrai que j'aurais pu venir avec les... le corps au pied. Pour une fois que ça aurait servi. Ok. Putain, le cœur fait chier. Bon, j'ai de la thune au moins. On pourrait avoir un Meat Boy 2, Meat Boy 3. En enlevant tous mes cœurs rouges. Mais je pense que c'est plutôt un sacré plan huc. J'aime bien l'araignée ici. Tout dépend de ce qui se passe, mais j'ai besoin de mes cœurs rouges pour un Devil Deal fort. Bon. Est-ce que c'est un enfer? La réponse est oui. C'est un coach. Il y a du poison par terre et c'est pas moi. Le poison est pas mal quand même, hein. Petites économies. Okay.
C'est pas mal ça. Oui, c'est ça. Little Horn, Big Brother is watching. Donc c'est la grosse main de Little Horn qui sort du sol et qui défonce des trucs. Un peu en mode Daddy Long Legs. J'ai trouvé aucun cœur rouge. Hein. Ouh, la tristesse. Presque envie d'ouvrir la Sacrifice Room. Il peut y avoir des cœurs qui traînent. C'est rare, mais bon. Non. Il y a des crânes. Pas très sérieux, mais bon. C'est un bon familier. C'est un très bon familier. Je pense qu'on peut le prendre. Ouais. Merde, merde, mais pourquoi j'ai ouvert une... Oh, je suis le pire joueur U. La mouche à merde, là, la mouche à merde... Putain, mais putain, c'est lui, c'est mon pote. Salut mon pote. Oh mais non, j'avais esquivé cette salle exprès, je me la prends. Aïe, 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 c'est la merde. Oh, c'est une grande salle de boss en plus, qu'est-ce que ça va être comme merdier. Oh la merde. Oh là 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 là. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'on a comme porte de secours? Super secret. C'est compliqué. C'est sûrement tout en bas à gauche. Les pilules. Dommage. Oh là 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 là, cette run de la misère. Non. Oh, le Curse of the Maze. Oh la dinguerie. Oh, peut-être ce coffre. Peut-être. Mais comment on fait? Non, il n'y a aucun scénario où j'arrive à arnaquer pour me faire une plateforme, là. Parce que là, c'est trop loin. Non, il n'y a pas de scénario. La tristesse. Ensuite, il y a un truc qui marcherait. Ah, mais non, je peux même pas l'atteindre. Le truc qui aurait fonctionné, c'est d'ouvrir, de péter, si c'était possible, le coffre. Et si c'était un objet, de le void. Mais même ça, c'est pas possible. On voit en travers, non. On va le boss, hein. C'est mort, putain. Curse of the Maze, ça rend fou, hein. C'est loose. Je les connais pas. J'ai besoin de ça, j'imagine. C'est chiant. Oui. Ah mais merde, pour le mausolée, c'est sacrifice de sang. Ça me donne un cœur, ça? Ouais. Betrayal, c'est nul. Attention. Des cœurs? Non. Ensuite, je crois que je l'ai jamais eu. Ou peut-être je l'ai eu dans un run chest. Pour la collection. Alors je vais prendre... Non, la merde.
Non, non, putain. On est bien d'accord que ça a pas marché, ça. Est-ce qu'il peut y avoir une échelle de corde dans une salle de boss? Je pense que je vais me faire chier, comme Jaja, à le découvrir. Normalement non, je crois. Magnifique. 3 points. Beau reste de NBA 2K. Ok, je pense que je suis obligé de farm pour trouver des cœurs rouges. Mais j'ai pas grand chose à farm. Feels bad, man. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est celle d'abandonner cette connerie, quoi. Ça, c'est pour avoir des clés. Ah non, c'est le flat. Là, c'est le worm, c'est le flat worm, c'est des larmes plus grosses. Est-ce que j'ai honte? Absolument pas. C'est tout? 4 bombes. Quatre bombes et beaucoup de possibilités. Ok, nice. Alors... C'est vraiment le run de la débrouille depuis 3 étages. Il me prend mes cœurs bleus, mais c'est une ordure. Je crois qu'en 3 essais, je peux même pas avoir de Soul Heart. Il restait quoi au shop? Il restait rien. Non, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai gagné 2 pièces, hein, c'était worth. Ah, mais quelle ordure de me prendre les Soul Heart, c'est... Oh non, je croyais qu'il y avait une couleur différente, hein. On s'en fout en vrai. Parce que sinon, oh putain, si je pourrais bomber ça pour avoir des Soul Hearts, hein, c'est genre Last Resort, quoi. J'ai plus de bombe derrière, quoi. Vous savez quoi, je garde une bombe.
Envie de canner. Prochain marqué peut-être. Nope. Décidément. Ils ont quoi ? Oui. Si seulement je volais. Oh là là. Ah bah ça l'a bien défoncé hein, pour le coup. Moi aussi. Mais que... J'étais en train de regarder mon pourcentage de chance de Devil Deal en me disant ah oui, c'est vrai, j'ai Goat Head. Putain, avoir tant survécu à l'impossible pour mourir écrasé comme un caca. C'était quand même rigolo. Des bisous YouTube. Quel enfer.